cuisine Salicou qu'aujourd'hui nous préparons un cake marbré au caramel et au chocolat. Très facile à réaliser. On passe à la recette. Vous aurez besoin de 2 fois 2 œufs, 2 fois une pincée de sel, 2 fois 75 ml d'huile, 2 fois un pot de sucre, 2 fois 7 g de levure chimique, 2 fois 3 pots de farine, un pot de crème au chocolat, un pot de crème caramel. Et pour mesurer donc le pot, vous mesurez avec le pot de crème. Vous mélangez chaque pâte séparément. Vous ajoutez dans l'une le caramel et dans l'autre le chocolat. Voilà. Cela donne donc les deux préparations que vous voyez. Vous mettez à préchauffer le four à 180 degrés. Vous aurez préalablement beurré un moule, pardon. Vous versez la pâte de caramel. Vous versez la pâte de chocolat par-dessus. Voilà, vous étalez bien. Vous décorez avec ce que vous souhaitez. Donc moi j'ai mis des amandes concassées. C'est parti pour 35 minutes de cuisson. Voilà le résultat. Un très beau gâteau bien gonflé, très bien réussi. Vérifiez la cuisson avec le couteau. Voilà le résultat. J'espère que ma recette vous aura bien plu. N'hésitez pas à faire ce gâteau, il est vraiment très bon, vous ne regretterez absolument pas. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour une prochaine recette et je vous souhaite un bon appétit.